Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Bien alors, première partie de notre exploration du problème. Donc ici, nous nous restreignons le plan au carré 0, 10, 0, 10. Donc c'est-à-dire, si on fait un repère orthonormé, ici, donc, repère orthonormé, ici 1, là on va voir 10, ici on va voir 10, on va jouer donc dans ce carré ici, donc à l'intérieur de ce carré-là. Donc ici, Alice va placer n points, on va les appeler AI, et Bob va jouer les points PI. Donc Alice place n points au hasard ou à l'intérieur de ce carré. On joue avec les droites plus proches des points. Donc, donc si Bob place un point, Alice trace la droite qui est le plus proche de ces points. Et Alice dit le numéro du point le plus proche. Si Bob trouve un des points d'Alice, elle l'enlève de l'ensemble. Donc là, on s'intéresse donc aux règles les plus simples. Avant de commencer la visualisation du problème, nous allons démontrer la propriété suivante. Donc la propriété qu'on va démontrer, c'est soit n supérieur ou égal à 2, le nombre maximal d'intersections de n droites et donc somme de k égale à 1 à n-1 de k, donc les n-1, la somme des n-1 premiers entiers, égale à n-1 fois n sur 2. Alors, donc on va noter Pn cette propriété n supérieur ou égal à 2. Donc on va la démontrer par récurrence. Donc initialisation. Initialisation. Donc ici P2. Donc le nombre maximal d'intersections de deux droites est somme de k égale à 1 à 1 de k, bah c'est égal à 1. Alors pourquoi? Bah, hop, si deux droites sont séquentes, ici il y a un point d'intersection. Un point d'intersection. Bien entendu, maximal. Ici, il faut dire maximal parce que là, par exemple, si on a deux droites parallèles, il n'y a pas d'intersection, bien entendu. Donc, mon maximal d'intersection, ici pour deux droites, c'est 1. C'est donc il y a une intersection. Une intersection. Or, ici, somme de k égale à 1 à 1 de k, c'est égal à 1. Et ça, alors ici, cette égalité, elle se démontre facilement par récurrence. C'est une démonstration classique pour les terminales S. Donc c'est égal à 1. Donc hérédité. Donc on suppose pour un rang n supérieur ou égal à 2 la propriété Pn vraie, c'est-à-dire nombre maximal d'intersection de n droite et somme de k égale à 1 à n-1 de k, c'est égal donc à n. N-1 sur 2. Donc ici, on va montrer que somme de k égale à 1 à n, donc Pn plus 1, nombre maximal d'intersection de n plus 1 droite, et somme de k égale à 1 à n de k est égal à n plus 1 sur 2. Alors, ici, on suppose ici qu'il y a n droite, et bien, en fait, on va tracer la n plus 1e droite, et cette n plus 1e droite peut avoir ici, elle peut avoir, alors plutôt n intersection. Donc ici, dn plus 1 peut avoir n intersection avec ici d1, d2, dn. Or ici, combien y a-t-il d'intersection entre D1, D2 et Dn au maximum? Bah, il y en a nombre max d'intersection entre Dn plus 1, Dn, etc. D1 est égal au nombre d'intersection entre
n plus 1 avec les droites dn d1 plus nombre d'intersections entre dn et d1. Donc ça, hypothèse de récurrence. Ici, il y a n intersections plus somme de k égale à 1 à n moins 1 de k. Ici, c'est égal à somme de k égale à 1 à n de k. Donc, la propriété P n plus 1, propriété P n plus 1 est vraie. Ainsi, la propriété est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 2. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété Pn, donc cette propriété-là, est valable pour tout n appartenant supérieur, donc pour tout n supérieur ou égal à 2. Bien. Alors, maintenant, on va pouvoir faire la conjecture suivante. Donc ici, le nombre de tours Tn pour le jeu proposé, donc ici on va placer Alice place n points, Bob propose des points qu'il choisit, et Alice trace les droites qui passent par le point de Bob et le point le plus proche de ce point. Et ensuite, si Bob trouve un point d'Alice, eh bien le point s'enlève des ensembles. Et le jeu s'arrête dès que Bob a trouvé tous les points, sachant que Bob sait la valeur de n. Donc ce nombre de tours peut être encadré par... Donc ici, conjecture, le nombre de tours Tn pour le jeu proposé, pour n points placés, peut être encadré par Tn inférieur ou égal, donc n inférieur ou égal à Tn inférieur ou égal à la somme de k égale à 1 à n plus 1 de k. Alors ici, pour avoir... Donc si par exemple Alice place un point ici à 1, bien par exemple... Bob il va placer un point P1 ici, et donc ensuite Bob il va placer un point ici P2 qui va avoir ce point là. Hop, et donc ici l'intersection ça va être P3, donc ici il y aura 3 tours, donc 1 plus 2, 3. Le jeu peut se terminer bien entendu en un tour si Bob place son point exactement à 1-1, bien entendu, mais ça, la probabilité d'avoir ce genre de jeu, elle peut être possible, c'est vraiment un coup de chance, mais la probabilité d'avoir ce genre de jeu, bah, est égale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme pour le jeu? Donc, on va prendre ici n égale à 5, on va voir une vision d'ensemble du jeu. Donc ici, Bob... Donc Alice va placer 5 points aléatoirement dans le carré 0, 10, 0, 10. Donc dans un premier temps, Bob va placer au hasard un point P1. Un point P1. Et donc, Alice va tracer droite P1 AI avec I le point le plus proche AI le point le plus proche de P1. Ensuite Bob va placer au hasard un autre point P2. Donc ici si le point donc déjà si le si la droite tracée est P2 à I avec le même I ici, et on peut placer un point à l'intersection de cette droite et Alice dira trouver donc point à I. Si la droite tracée est P2 à J et si l'intersection se trouve dans le carré, bien entendu dans le carré 0, 10, 0, 10, alors on place un point P3 sur l'intersection. C'est l'intersection. Bien entendu, Alice dira droite. Dira plutôt AJ. Donc elle dit toujours le point
le plus proche. Donc ici, on va tracer à droite P1 à I, et elle dit AI. Et elle dit AI. AJ. Si la droite tracée est P2 AJ, et si l'intersection ne se trouve pas dans le carré, alors on place un point P3 au hasard dans le carré, et ainsi de suite. Alors bien entendu, il se peut que les droites, ici on va tracer les intersections, alors s'il y a plusieurs intersections, ça peut arriver. S'il y a plusieurs intersections, on prend le point d'intersection point le plus proche, déjà placé. Bien entendu, il se peut que Alice trace la même droite. Alors ainsi, là, il faudra faire un autre point au hasard pour déterminer l'intersection, donc d'autres intersections. Voilà. Donc on va maintenant faire une simulation sur GeoGebra. Alors 0,10, 0,10, donc on va tracer un carré, c'est un 0, 0, 3, 10, 4, 0, 10, polygone C1, C2, C3, 4. On va inverser le remplissage, On va mettre en couleur noire et un peu plus. Donc on va s'intéresser donc dans ce carré. Bien, donc ici on va placer donc les points d'Alice. Donc ici c'est n égale à 5, donc séquence. Donc ça c'est les points d'Alice, donc PA, je vais mettre PA 5. PA 5, donc ça va être séquence. Séquence. Point au hasard dans 0, 10, 0, 10. Variable k, 1, 5 et 1. Donc voilà les points d'Alice. Donc maintenant on va placer P1, un point au hasard, donc c'est point de Bob ici. 0, 10, 0, 10. P1. Donc ici on va tracer la liste des segments, l'ensemble des segments qui passent par P1 et le point AI. Donc séquence. Segment P1 et élément de PA5 K pour K allant de 1 à 5. Donc on prend le minimum de cette liste. Donc ici on aura 2, 25. Ça va être le deuxième. Donc c'est A2. Ici on va tracer la droite P1 élément L1. Donc PA5, 2. Ici, on va pouvoir mettre en texte 2. Ok. Voilà. Donc, on peut effacer L1. Ici, on sait que cette droite-là passe par le point A2. Alors, ensuite, on va tracer un point P2 au hasard. Donc, ici, on va placer donc les segments. Segment et 2. Donc le minimum ça va être 5. Droite PA 5 5. P2. PA 5. Voilà. Et donc ici, on va placer ici c'est 5. Hop. On sait que cette droite là passe par A5. Passer là. Les droites ne s'intersectent pas dans le carré. Donc ici, on va pouvoir placer un point P3 au hasard. Alors, segment P3. Donc ici, on aura ici 5. P3 et à 5.
Si on peut mettre 5. Voilà. Et donc, 5 et 5. Ici, on a 5 et 5. Donc, l'intersection. Ici, intersection entre ici G et H nous donne donc ici P4. Voilà. Et là, Alice va dire A5, trouver. Ici, on va pouvoir colorier le point P4 en rouge. P4 en rouge. Donc, on peut effacer ça. Et on pourra donc effacer le point P, le cinquième point de PA5 de la ligne. Donc PA4, supprimer PA5, élément PA5, 5, comme si ça est une liste. Donc, voilà. Ici, hop. PA4 n'a plus que 4 éléments. C'est la liste des points privés du cinquième point qui était dans PA5. Donc on continue. On peut prendre P4, donc on va faire ici la liste des segments. Donc ici on peut mettre P4, 1 à 4, P4, 4. Voilà. Ici le minimum ça va être 4, 3. Donc 3. Ici, droite, P4, PA4. 3. Si on peut mettre 3, on va peut-être alors on va peut-être renommer les points. Alors 0, 21, donc ça va être 1, 1. C'est 1, 1. Alors A2, 2, 23, donc 2, 23, ça va être celui-là. A2. Là, ça va être A4. A4. Voilà. 4. Et ici, ça va être A3. Donc ici, on n'a pas d'intersection à tester. Donc on peut placer un point P5 au hasard. Ici, un P5 au hasard dans 0,10, 0,10. P5. On va tracer les segments. Segment. P5. Alors P5. Ah, toujours 3, puis ici droite, P5, PA4, 3. Voilà, et donc ici on a une intersection. Je vais effacer F2. Et ici, intersection A3. Donc ici, P6, ça va être intersection I, intersection I, J, P6. Ici, Alice peut dire trouver. A3. Propriété, couleur. Et on peut effacer A3. Effacer. Et PA3. Ici PA3. On va effacer PA4. Ici. PA4, 3. Donc ici, nous reste 3 points. 3 points A1, A2 et A4. Donc on va faire P6. 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 P3. Alors PA3. K entre 1 et 3. Voilà. Hop. Donc il reste 3. Donc 9, 9, 7, 64 et 5, 89. 89, donc ici le plus proche c'est A4, donc droite, ici droite, P6, PA3, 3,
P6 ici. Voilà. Donc ici, on a une intersection. Pour effacer L1. On a une intersection ici. Donc on peut dire ici, alors 3, 4, la droite ça va être 4, 4, 2, donc ici 4 et 2, donc l'intersection ne va pas produire de points d'Alice. Donc si on fait intersection ici, FK, P7, alors en fait là il y a ici 2 intersections, même 3, et ici 1, 2, 3. Donc ici on va prendre la plus proche, ici donc l'intersection GK. Intersection GK P7, voilà. Donc ici on va pouvoir faire segment P7, voilà. Donc on a toujours ici 4, donc A4. Donc on peut tracer à droite cette droite là K. Ouais. Ce n'est pas la peine, donc ici on a toujours 4. On peut effacer. On peut faire P8. Si P8 ça va être l'intersection entre H et K. P8, H et K. Voilà. On fait les segments. P8. On voit toujours que c'est 4. À 4, ici. Donc, on n'en a pas besoin. On va tracer donc la même droite et ce n'est pas un point de Alice. Donc ici, P9. P9, c'est l'intersection ici entre F et K. F, K. Ce n'est pas un point de Alice. Alors maintenant, segment entre P9. Donc ici, le plus court, ça va être 2 à 2, mais la droite est déjà tracée. P9 à 2, c'est la même droite. Donc ici, on peut supprimer L1. Ici, on peut supprimer L2. Et on met un point au hasard. Donc P10, point au hasard. Donc P10, point au hasard, ici. Alors, P10, donc ça va être P10 à 1, P10 à 1, droite, P10, donc élément PA 3, 1. Voilà, donc ici on a des intersections, mais ces intersections-là proviennent de, donc ici 5, déjà tracé, déjà vu, 5. 5, 3. Donc 5, 6, 5. 3, 3. Donc ici, on ne prend pas les intersections parce qu'elles sont déjà testées. D'ailleurs, petite. Donc ici, P8 et P7, on aurait pu oublier parce que c'est des points, des droites qu'on avait déjà testées. Donc on efface. Donc il n'y a pas d'intersection ici, P1, ici, A2 et A4. Donc on peut retracer un point. Au hasard, P11. Donc ici, segment P11. Voilà. Donc le plus proche, ça va être A4, droite P11, élément PA3, 4. E3. Et donc ici on a une intersection, donc on va pouvoir, donc ici on peut alors ici cette intersection est déjà testée, c'est une droite qui est déjà testée, un point qui était déjà testé ici. Donc ici P12, ça va être l'intersection entre K et M, intersection entre K et M. Voilà, et donc c'est un point d'Alice.
point d'Alice. A, 4. Alors maintenant, on peut tracer. Donc maintenant, P12. Segment P12. Ah oui, donc il faut enlever. Mettre PA2. Donc C va être PA2. Si. 3. PA2. PA3. Élément. Donc il va rester 2 points maintenant à tester. Donc ici, on trace donc, segment P12, PA2, de 1 à 2, P12. Voilà, donc ça va être A2, donc droite P12, A2. Donc, élément PA2, 2. Voilà, on a une intersection ici. P13, ça va être l'intersection entre les droites F, F et N. Donc N, F. Voilà, donc ça va être un point de Alice, P13. Donc. Et il nous restera ensuite plus que. Donc droite, il ne reste plus qu'un point. Quand on a P, on fait à droite entre P13 et l'élément PA2, 1. Voilà. L'intersection, la droite décroissante entre P10 et A1. P13 et A1. Donc ici P14. P14, eh bien c'est intersection entre ici. L et P, voilà, c'est un point d'Alice, donc P14, voilà, et donc, on peut, hop, voilà, et donc maintenant, les points rouges, eh bien, c'est exactement les points d'Alice, hop, point d'Alice, et on a fait en 14 tours, le jeu. Alors maintenant, on va vérifier, est-ce que c'est bien, TN, donc on a dit que c'était 14, c'est compris entre 5 et donc ici, somme de K égale à 1 à 6 de K. Donc ça va être 6 fois 5 divisé par 2, 30 divisé par 2, 15. Donc 14 est bien compris entre 5 et 15. Alors ça reste une conjecture, nous n'avons pas démontré cette propriété. On pourrait peut-être se rapprocher de la propriété précédente. Et donc voilà l'observation du problème pour n est égal à 5.